J'ai une double vie à Garneau. J'ai été étudiant, diplômé, mais j'ai aussi fait partie du conseil d'administration. Et on a mis en place des projets intéressants d'immobilisation, entre autres le terrain de football, le pavillon des soins infirmiers. Donc, très heureux aujourd'hui de constater que toutes ces rénovations-là, ces travaux-là ont été réalisés. Je suis venu ici à Garneau principalement pour le programme de DECBAC en informatique. J'ai fondé une entreprise il y a 10 ans. Donc, je suis toujours en affaires. On a une belle entreprise qui est en croissance aujourd'hui, toujours dans le domaine des technologies.